Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, bah aujourd'hui, je me retrouve encore sur le poste des silures en enfer. Mon objectif, faire des vifs un petit peu plus gros pour essayer de déclencher une touche de Big One. Concernant les stratégies et les montages, on reste sur la même technique que la dernière fois. Je vous invite à liker cette vidéo si vous la kiffez et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre le reste des aventures. Bientôt un nouveau road trip 2019. C'est parti. Donc comme je risque de me retrouver solo parce qu'il y a des gros dormeurs, n'oubliez jamais les gars, toujours l'organisation, organisation, organisation, organisation. Je suis prêt pour le show. Voilà à peu près comment ça présente le flotteur sous-marin, sauf que c'est le décolle de 70 cm du fond. Puis le vif il est solide quoi. J'avoue, là c'est une grosse crampe. Ça arrive, place à la suite. Oh, en direct la touche canne de gauche. Canne de gauche. Regarde, regarde, regarde. Regarde, il est dessus, regarde. Il n'arrive pas à casser. Ah si, ça y est. En direct, putain, je l'ai vu en direct. Mets les gants, mon petit père. Voilà, vous avez vu la touche. Le petit, il était déterminé. Donc ça, ça fait 70. Déterminé. Allez, file de là. Jeune ambiance quartier rouge. Je dis pas ça pour toi là ici. Moi je suis formateur pour les travaux temporaires. Magnifique mon petit père, super. Un beau poissonnet. Merci qui? Merci Jacques, il est Michel. Il est où Michel? Il est parti. Toi solo j'ai galéré. 2m10 plus. Il vous dit à plus. Voilà les amis, le plus gros de cette pêche, 2m16. On va le raccompagner gentiment à l'eau et essayer de faire des photos de dingue. Il m'aura fait chier, un poisson très brutal, un caractère de ouf. Magnifique. Yeah! Monster River, la famille. Délinquance halieutique. Ouh loulou! Non, tu arrives quoi? Bon retour à toi, jeune Glenn.